Salam à tous, je suis le président de la GECA, jeune entrepreneur chrétien africain. Voilà, le président de la GECA. Je suis avec la délégation. Nous venons de la France, des États-Unis. Voilà. Ça, c'est maman Louise, responsable. On a la soeur Agathe qui vient des États-Unis. On a le ministre de la Communication. Bonjour à tous. Voilà. Et on a la colonelle, l'ambassadrice qui nous vient de la Martinique. Voilà, de la Martinique. Et on a le chef du village des Aropos. Voilà, des Aropos. Donc, c'est tout le monde qui est représenté. C'était vraiment important pour moi de venir les accueillir. Voilà, sachant que maman, lui, tout le monde arrivait, tout ça, dans le même vol. Voilà, j'étais très heureux. Je venais de faire juste une prière d'introduction avec toute l'équipe. Et comme je l'ai dit, sur le WhatsApp, c'est beaucoup privé. Voilà, c'est beaucoup privé. C'est une retraite, voilà, avec la plupart des membres de la GECA. Nous avons réfléchi à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et voilà, et je vais arracher quelques mots à maman. Shalom à tous. C'est un plaisir que de nous retrouver encore cette année. Le Seigneur sera de la partie, ça c'est sûr. Et il va se passer de belles choses. De belles choses. Alors nous sommes contents, heureux d'avoir retrouvé papa. Merci. Et qui nous promet des merveilles. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton assistance. Oui, bonjour à tous. En tout cas, merci papa. Nous avons encore accueilli sur la terre de la Teranga. C'est vraiment que du bonheur. Et on a hâte qu'on puisse apporter justement tout ce que nous savons faire pour développer l'Afrique, lutter contre l'immigration et aider nos gouvernements à lutter contre la pauvreté. Voilà. Donc, merci infiniment. Tu as dit par rapport à Dakar? C'est le retour à la terre. Les ancêtres. J'ai quelque chose à dire. Ma foi me dit que tel que je suis venue, je repartirai différente, libérée, avec que de bonnes choses. Alors, amen. Merci Seigneur. Ah oui. J'ai vu son entreprise à l'honneur. Oui. Je disais ça comme ça à Baro que mon souhait c'est qu'elle se prête. Et que ça, ce que tu sois représenté ici. J'en parlais avec mon équipe de Baruch pendant qu'on faisait sa venue, on préparait tout ça. Alors pour dire déjà que voilà, win pour servir. Donc c'est vraiment quelque chose de très. On ne peut pas être, on peut pas entreprendre tant qu'on n'est pas délivré. Voilà, tout est spirituel. Voilà, donc ça serait une retraite. Je suis très heureux. Heureux, je remercie le Seigneur qui l'a permis que tous les bien-aimés qui arrivent sains et saufs. Il y aura encore une délégation demain, il y en aura encore une autre délégation le 4. La dernière délégation arrive pratiquement le 5. Bah oui, une délégation qui arrive bizarrement le 6. Voilà, le 6, vous aurez comme ça tout le programme. Mais ce sera le meilleur programme. Voilà, la deuxième édition a été vraiment très bien préparée. Nous avons mis l'accent sur les résidences, nous avons mis l'accent sur beaucoup de bonnes choses. Et nous remercions les autorités sénégalaises, nous remercions Dieu pour nous permettre de retrouver encore pour d'autres le Sénégal. Et nous aurons beaucoup de choses, surtout le Sénégal et la terre qu'on appelle de nos retours, ce qui est très important. Voilà, donc que le nom du Seigneur soit béni. Et puis bon, on est ensemble. Ouais, c'est une question d'affaires à suivre. Que Dieu soit béni.